J'avais promis le 2 juillet de faire un petit peu le point à la fin du premier trimestre. Nous sommes presque à la fin du trimestre. J'avais dit que cette décision de mettre les nouveaux rythmes scolaires en place, c'était pour nous presque un examen. On essuyait les plâtres. Et nous sommes là pour ça, essuyer les plâtres, ça veut dire qu'il y aurait peut-être des erreurs, des anomalies à rectifier, c'est ce que nous allons faire. Alors, il y a un quart d'heure de retard. Pour gagner du temps, je vais commencer par passer la parole à monsieur, il est là, monsieur Bonnet du Perron. Il est là. Eh bien, alors, je vais lui passer les manettes. Vous allez nous passer le power, comme on dit, hein? Oui. Et après, ben, il y aura les questions traditionnelles auxquelles nous essaierons de répondre et de faire en sorte que de rectifier les anomalies. Allez, monsieur Dupéron, merci. Merci, monsieur le maire, merci à tout le monde. Ce soir, j'ai été invité par la commune à venir vous parler un peu de la réforme sur un aspect un petit peu particulier. Et je suis chargé de mission sur les politiques éducatives territoriales. Ça veut dire que ça fait une quinzaine d'années que je suis et que j'accompagne des communes qui mettent en place des politiques en faveur de la jeunesse et des politiques en faveur de l'éducation. À ce titre, je suis les communes, par exemple, dans la mise en place des contrats éducatifs locaux ou dans la mise en place des projets de réussite éducative, etc. Et puis là, avec l'actualité des PEDT, on est venu me dire « Tiens, tu vas être référent sur ce truc-là ». Alors, au début, j'étais très critique parce que je me suis dit « Tiens, on va confier un temps du service public d'éducation à des communes qui ont des moyens qui ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre ». Et l'objectif, c'est de faire quelque chose de plus égalitaire, de rendre la possibilité à des enfants d'accéder à des activités, mais on n'aura pas tous le même service public. J'étais très critique à l'égard de cette réforme-là. Et donc, je me suis penché un petit peu sur les expériences qui ont été menées antérieurement. Donc, depuis les années 80, on a eu toute une série d'expérimentations qui ont commencé par la circulaire Calma-Chevènement, peut-être ça rappelle des souvenirs à certains, pour passer au contrat bleu, et puis ensuite au CAT, contrat d'aménagement du temps de l'enfant. Et puis ensuite, il y a eu la mise en place, en 95-96, des expériences d'aménagement des rythmes scolaires. Donc là, c'était pas simplement mettre des activités en plus de l'école ou alors dans le temps scolaire pour diversifier les approches pédagogiques, c'était carrément des aménagements du rythme scolaire. Et alors, il y a des chercheurs j'ai mis en 2013, la mise en place des PEDT. Il faut savoir qu'en 95, mise en place des Arvèges, c'était sur le mode du volontariat. Donc c'est la différence avec ce qu'on connaît actuellement, où on a un cadre qui est national. Et donc, j'ai cherché des travaux qui ont évalué l'impact de ces politiques. Donc, sur tout un tas d'items, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur la réussite scolaire, que ce soit sur le développement local, que ce soit sur le tissu associatif, parce qu'on a tout un tas de craintes qui se sont exprimées. Des associations, j'ai plus mes créneaux, je peux plus faire mon activité le mercredi matin, comment je fais? Le conservatoire, j'ai plus mes créneaux, comment je fais? Ils ne veulent pas venir le samedi matin, etc., etc. Et puis sur la réussite scolaire, c'était intéressant aussi de savoir si en diversifiant les approches pédagogiques, etc., on avait des effets sur la réussite scolaire. Donc, j'ai sorti une analyse qui est une analyse qui est la plus complète qui a été faite jusqu'à présent, qui a été faite par un comité d'évaluation et de suivi des aménagements des rythmes de l'enfant. Donc, je vous passe le détail des personnes qui se sont investies dans ce travail-là
Mais la liste est impressionnante, il y a beaucoup d'experts, beaucoup de chercheurs, beaucoup de politiques, l'Association des maires de France, des sénateurs, etc. Des chercheurs en pédagogie, en chronobiologie, etc., se sont associés pour essayer d'évaluer l'impact de ces politiques. Donc ils ont fait, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir sur le précédent truc là, slide, j'ai pas le mot en français, désolé, c'est une étude qui a porté quand même sur 236 pilotes. Donc à l'époque, c'était pas 230 communes comme ça, parce que c'est, toutes les communes n'étaient pas dans ces aménagements de rythme scolaire, mais il y avait quand même 236 pilotes qui ont été évalués. Ça concerne 859 établissements et 108 000 enfants. Donc voilà, on a des données qui sont exploitables. Ce n'est pas un micro-panel, c'est vraiment une grosse analyse. Il y avait plein d'autres analyses, mais qui portaient sur des évaluations locales. Celle-là me semblait intéressante parce qu'elle était vraiment nationale. Donc qu'est-ce que c'est que les Arvèges, si on peut passer à la prochaine et à la prochaine. Voilà. Donc les Arvèges, aménagement des rythmes de vie de l'enfant et du jeune, ça consiste en une réduction du temps scolaire. Vous savez, donc on passait sur un temps scolaire journalier et hebdomadaire plus court, c'est-à-dire qu'on avait des journées moins longues. Et sur la semaine aussi, des temps moins longs, puisque sur l'année, les enfants travaillaient plus. On avait diminué les temps des vacances scolaires. Donc voilà, allongement de la durée de l'année scolaire. Et puis, on avait aussi le deuxième pan de ces réformes-là, c'était d'aménager des nouveaux temps éducatifs en complément du temps scolaire et à la jonction avec le temps scolaire et le temps de la famille. Le temps associatif. Donc on avait pensé dans la pédagogie de ces Arvèges à mettre en place à côté du temps scolaire des temps éducatifs qu'on appelle périscolaires et qui ressemblent fortement à ce qu'on voudrait mettre en place maintenant avec la politique sur les PEDT. Donc les objectifs qui étaient visés par ces Arvèges, ils sont principalement au nombre de 4. Il y avait premièrement essayer de respecter le rythme de vie de l'enfant. Parce que vous savez que les enfants, ils sont guidés par une horloge interne, enfin nous aussi, les adultes, mais je veux dire, ils ont une horloge interne qui est spécifique, qui ne leur permet pas d'être en activité trop longtemps, en vigilance trop longtemps. Ils sont rythmés par des rythmes qu'on appelle circadiens, qui leur commandent d'aller se coucher à telle heure, qui leur commande d'être fatigué à telle autre heure, etc. Donc, l'objectif des Arvèges, c'était de tenir compte de ce rythme de vie des enfants et de caler le découpage de l'emploi du temps scolaire avec ce rythme de vie. Le deuxième objectif, c'était de développer l'enfant dans toutes ses facettes, pas simplement scolaire, mais aussi son épanouissement. On va prendre un grand terme qui recouvre un peu tout. Donc c'était l'objectif des Arvèges. Le troisième item, c'était de voir s'il y avait des impacts sur la réussite scolaire. Et le quatrième item, c'était de voir si les enfants prenaient leur place dans la cité. Plus, moins, pareil, est-ce qu'il y a eu des impacts? Donc ce qu'on a constaté, je crois qu'il y en a une juste avant encore. Ce qu'on a constaté, donc au terme de cette grosse analyse, c'est qu'il y avait effectivement une démocratisation de l'accès aux pratiques culturelles et aux pratiques sportives. Donc c'était un des effets attendus de la réforme, et il s'est avéré que cet objectif a été atteint, plus ou moins, mais en général atteint. Le deuxième point, c'était que la réforme des rythmes scolaires avait permis, par la multiplication de ces temps dont on a parlé, qui sont à la périphérie de l'école, mais qui ne sont pas des apprentissages scolaires, mais qui ne sont pas du loisir simple, qui ont une vocation éducative et pédagogique, on a vu qu'on avait développé l'acquisition de nouvelles compétences sociales. Qu'est-ce que c'est des compétences sociales ?
C'est l'écoute, le respect des autres à travers les jeux qui sont mis en place. C'est des jeux de collaboratifs aussi où on s'entraide. Donc on développe la sociabilité. On obtient aussi des compétences sociales qui sont liées à la valorisation aussi de l'enfant par les réussites qu'on lui fait vivre dans ces moments où on lui fait vivre du jeu, où on lui fait vivre des expériences qui sont pas sanctionnées par une note et avec la menace d'un redoublement. On n'en est pas là dans ces périodes-là. On est au contraire pour favoriser les temps où ça joue, où ça réussit. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la relation avec les parents... c'est que les relations entre pères, c'est-à-dire avec les autres enfants et les enfants entre eux, ont connu des améliorations, c'est-à-dire qu'on avait des rivalités, etc., qui ont pu se gommer par les situations qu'on leur faisait vivre dans ces moments-là, où on faisait du travail en groupe, etc., etc. La relation avec les parents s'est améliorée, il a été noté qu'il y a une amélioration des relations avec les parents, entre les enfants et les parents, et entre les enfants et les enseignants. Donc c'est quand même un apport très très important et qui est très positif. Le troisième point, c'est qu'on a noté dans cette évaluation que ces temps-là permettaient de développer des compétences transversales qui vont être nécessaires aux apprentissages. On parle de motivation, on parle de plaisir, plaisir d'apprendre, on parle de curiosité, on parle de choses comme ça, qui sont nécessaires dans les apprentissages, parce que sinon, y a un phénomène de lassitude, d'ennui, qui fait qu'un enfant, il apprend moins bien. Ensuite, deuxième catégorie d'effets qui m'a semblé intéressant de ressortir, c'est les effets sur la réussite scolaire. Donc, j'ai rajouté les compétences métacognitives, donc qui sont nécessaires aux apprentissages, parce que je pense que ça place là, dans cette dimension-là. Mais on a aussi assisté à des projets qui permettaient des initiations des savoirs disciplinaires. J'étais dans la vallée du Jabron, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est dans le 04, et on avait monté un projet en collaboration avec toutes les écoles de la vallée, et on avait réussi à mettre en place des activités sur ces temps-là, qui était en complément de ce que l'école ne savait pas faire. Parce que dans l'école de tout en haut, il y avait des instituts qui ne savaient pas parler anglais. Donc on a demandé aux animateurs qui intervenaient de faire tout un cycle d'activités en anglais. Ludique, hein, c'était du cirque et de la cuisine, c'était tout en anglais, avec des parents bénévoles qui s'étaient impliqués. Après, on avait une institutrice qui n'arrivait pas à... Enfin, qui n'était pas très très douée pour l'informatique. On a confié aux animateurs de cette école la réalisation du journal du CEL à l'époque, etc., etc. Donc c'est cette acquisition de savoirs disciplinaires qui peuvent être complémentaires et qui peuvent être acquis dans ces moments-là. Le troisième point, c'est qu'on note de façon quasi générale une amélioration du rapport à l'école. C'est-à-dire que l'enfant, vivant dans ces temps-là des moments agréables, des moments de plaisir partagé, améliore son rapport à l'école. Lui, ses parents aussi, et les instituteurs aussi. Donc je trouvais ça notable parce que ce résultat-là est assez massif. C'est-à-dire qu'on le constate dans la majorité écrasante des expérimentations qui ont été menées. Ensuite, il y a un autre point là sur un autre gros stock d'effets positifs, c'est sur la participation des enfants à la vie de la cité. Donc on voit qu'en développant l'autonomie par les jeux qu'on leur propose, par les activités qu'on leur propose, où souvent on les associe à la définition des projets, on les associe aux activités qu'on va choisir, on fait évoluer le projet avec eux, on leur donne la parole, et c'est même un des objectifs de l'activité, c'est de les impliquer, et bien on note qu'ensuite ça les désinhibe par rapport à d'autres, dans d'autres champs. Et cette possibilité qu'on leur donne de s'exprimer, elle est ensuite transférable dans d'autres champs. Ils n'hésitent pas ensuite à se révéler en classe parfois
et à prendre des responsabilités par ailleurs. Et puis le dernier point sur lequel il y avait des effets positifs, c'était sur le renforcement de la dynamique locale, parce qu'on a vu que la construction de ces projets impliquait la mise en relation de tous les partenaires de la communauté éducative sur le territoire. Donc on avait souvent des fonctionnements en silo, c'est-à-dire que le service des sports faisait son sport, le service jeunesse animait les petites et les grandes vacances, les instituts le temps scolaire, le centre de loisirs fonctionnait sur un temps qui lui était propre, et puis les associations aussi. On s'est rendu compte que, comme on était obligé de mutualiser les moyens, les créneaux, de s'arranger, de se remettre en cause et de s'interroger sur les finalités éducatives, on a été obligé de se parler, on a été obligé d'aller de l'avant et on a amélioré le projet, l'offre éducative au niveau des communes. L'offre qui a débouché des fois sur une offre enfance-jeunesse qui a été totalement revisitée. Donc ça a donné aussi de l'attractivité au territoire. Donc des territoires qui se vidaient, bon, qui devenaient tout à coup un peu plus attractifs parce qu'il y a un service aux familles, il y a un service de qualité en plus de l'école, il y a plein d'autres choses. Et le dernier point, c'était sur la vie associative. On a vu que non seulement ça n'a pas perturbé les associations, mais on a enregistré des augmentations de prise de licence au niveau sportif et accroissement des effectifs sur les associations culturelles. Parce qu'il y avait cette politique un petit peu d'éveil, de tests, de découvertes qui a donné envie à des enfants de prolonger dans le temps associatif ces pratiques-là pour les approfondir. Il faut que je fasse plus court, je vais aller un peu plus vite pour les conditions de la réussite. Bien sûr, donc il y a des points qui n'ont pas été évalués par cette étude parce que c'est difficile de les évaluer, je vous en parlerai après, ou des points qui n'ont pas marché, je vous en parlerai après, mais par contre dans la condition de la réussite il faut absolument une volonté politique, parce que sans volonté politique le projet ne pourra pas aboutir, on aura des faux projets, ça va pas aller très très loin. Le deuxième point, c'est une attention particulière au projet, c'est-à-dire que il soit réalisé vraiment par les acteurs et pour les acteurs, pour qu'ils soient appropriés par eux. Il ne faut pas qu'ils soient balancés comme ça de façon artificielle, parce que sinon, c'est un projet qui sera mort-né. Il faut qu'ils prennent bien en compte les besoins de territoire, etc. Donc là, il y a toute une méthode aussi à adopter pour concevoir un projet qui réponde aux besoins éducatifs des enfants et du territoire. Ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait une instance de pilotage qui soit dynamique, qui soit active et qui soit le véritable lieu des échanges. Parce que parfois, on a eu des expériences hein, qui ont montré que bon, les communes n'avaient pas tellement envie de s'embêter avec les acteurs et ils avaient leur idée en tête, ils montaient des faux comité de pilotage où on ne discutait pas, où on faisait semblant de discuter, tout était validé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas très loin comme ça aussi. Ça marchait une année, deux années, mais après, c'est pas bon parce qu'on n'a plus l'adhésion des principaux intéressés et on ne co-construit pas cette co-éducation. Et le dernier point, de mémoire, je vais le retrouver, mais c'était, c'était bien sûr l'importance primordiale du coordonnateur, parce que c'est lui la cheville ouvrière. C'est lui qui va réunir les gens, qui fait le lien. Il faut absolument qu'il soit légitimé par le politique, qu'il soit légitime pour entrer dans les écoles, dans les associations, qu'il ait l'oreille des parents, qu'il ait une connaissance des dispositifs à mobiliser, etc. Donc ce travail du coordonnateur est très important. Et nous, on les choisit, les coordonnateurs. On essaye de leur... À Jeunesse et Sport, là, on leur faisait des formations. Bon, on va essayer de continuer à faire ça pour les coordonnateurs peu d'été, même s'il va y en avoir beaucoup. Voilà. Bon, après, voilà. Il faut, pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on respecte absolument nos partenaires. C'est-à-dire qu'on ait un partenariat sincère et respectueux, qu'on prenne en compte aussi les prérogatives de chacun, c'est-à-dire que les instituteurs ont des exigences
pédagogiques, ils ont des exigences de, d'autres ordres, les associations ont des exigences aussi, les parents en ont, la mairie a des besoins, a des exigences, il faut qu'on arrive à être respectueux de tous pour arriver à trouver un compromis dans la négociation, la concertation. Les projets qui sont imposés, c'est difficile. Voilà. Donc, après, ce que je voulais vous dire sur ce qui n'avait pas marché, c'était sur l'aspect de l'emploi. Donc les différentes expérimentations qui avaient été menées jusqu'à présent, mais c'était des expérimentations. Donc il y avait le côté précaire de la chose qui n'a pas abouti à développer des qualifications et des emplois stables dans l'animation pour mener à bien ces expérimentations. Moi je trouve que là, avec le projet qui nous est proposé, même si le volet financement n'est pour l'instant pas suffisant, pour aboutir ensuite à des pérennisations d'emplois, des professionnalisations d'emplois auxquelles et vers lesquelles il faut tendre pour être crédible et puis pour développer des beaux projets pour les enfants. Il y a quand même une stabilisation des financements, à un niveau insuffisant, mais une stabilisation des financements qui nous permet peut-être d'aller un peu plus loin par rapport au, à la professionnalisation des personnels. Et puis ensuite, il y a différentes choses qui n'ont... Voilà, qui mériterait d'être approfondi au niveau de l'évaluation, mais moi je voulais surtout vous convaincre que la réforme qui est à l'œuvre aujourd'hui, même si elle est difficile à comprendre dans ses enjeux, elle va dans la bonne direction par rapport à toutes les préconisations qui nous ont été faites. Il y a eu énormément de concertations qui ont été faites auprès des chercheurs, auprès des experts, des spécialistes. Il y a eu des concertations énormes auprès des associations d'éducation populaire, des maires, etc. Et on arrive sur des préconisations unanimes pour rejeter la semaine de 4 jours comme quelque chose de mal adapté aux enfants. Il faut vraiment qu'on réussisse ensuite à transformer l'essai, c'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité d'aménager, d'aller vers une éducation partagée, on sait que c'est bon pour les enfants. Donc voilà, c'est pas facile de la réussir, cette réforme, mais elle vaut le coup. Donc je vous encourage à le faire. Et je remercie la ville de Brignoles parce que dans le groupe d'appui départemental qu'on forme avec l'inspection académique, la CAF, la DDCS, le conseil général, on a observé... Les nous ont fait remonter qu'on faisait bien la com pour les communes, on faisait bien la com en direction des instituteurs, à travers le travail des IEN, des inspecteurs de circonscription. On faisait bien la com, nous, Jeunesse et Sport, par rapport aux associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler, mais par rapport aux parents, c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé le biais. Donc je vous remercie de m'avoir invité à une réunion comme ça, de me donner l'occasion... De passer ce message aux parents, et puis j'espère qu'on va travailler ensemble à améliorer ce projet sans arrêt, parce qu'il n'y a pas de projet parfait. Ça n'a pas été évalué, mais c'est sûr, il n'y a pas de projet parfait. Merci pour ces précisions. Avant de passer la parole, je vais demander maintenant à Béatrice Sianamea de venir faire un petit peu le point de ce premier trimestre, ce qu'il y a eu de bien, de moins bien, ce qu'il y a à améliorer. Elle va vous faire des propositions. Et ensuite, le dialogue s'instaurera entre nous. Béatrice, si tu veux bien. Je veux bien, je vais essayer de rester là parce que je vais passer les diapos en même temps, si vous permettez, monsieur le maire. Permission accordée. Merci. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sur la présentation sur Brignoles de l'application du coup de la réforme, puisque on l'a vu assez longuement au comité de pilotage dernièrement et qu'il y a beaucoup de parents ce soir présents et qui étaient aussi au comité de pilotage. On va passer donc assez rapidement là-dessus. On va rester plus attentif sur la dernière partie. La dernière partie étant plutôt consacrée à qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui concrètement sur cette mise en œuvre de réforme, qu'est-ce qu'on peut améliorer rapidement et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le temps ensemble
et les propositions par rapport à ça. Donc sur les objectifs, j'y reviens pas. On voit que les objectifs sont assez similaires à ceux qui étaient proposés par Jeunesse et Sport avant la mise en place de cette réforme éducation nationale. C'est les mêmes objectifs. Sur les concertations de printemps, donc idem, on a fait donc un certain nombre de réunions avec l'éducation nationale, avec les parents, avec les enseignants, avec les services de la ville, avec les acteurs associatifs. Donc on a largement rencontré et discuté sur la mise en œuvre et on a essayé de co-construire ensemble un contenu de projet. Donc ça, les concertations. Ensuite, donc, au niveau des ressources mobilisées par la ville, donc là, on a un détail sur un tableau d'un certain nombre de ressources internes, puisque la ville de Brignoles a la chance d'avoir des ressources et des compétences qui ont été mises au service donc, de l'application de la réforme et donc des enfants. Donc on voit qu'on a des compétences très diversifiées qui vont de l'accompagnement des enfants en maternelle avec les ADSEM jusqu'à des compétences très, je vais dire, très techniques et très pointues avec par exemple les enseignants de l'école intercommunale de musique, d'art et de danse. En passant par les éducateurs sportifs et bien sûr les animateurs et les agents des services culturels puisque la culture a une grande place dans la mise en œuvre de la réforme. Mais ces ressources-là n'ont pas été suffisantes, donc la ville a dû recruter un certain nombre de compétences supplémentaires, donc on voit là les compétences que la ville est allée chercher à l'extérieur. Donc il y a 14 animateurs qui ont été recrutés sur des diplômes différents. Et puis, il y a des collaborations, notamment associatives, puisqu'il y a eu un appel à projet qui a été lancé. Sur la tarification, donc, la ville a mis en place une nouvelle tarification en fonction du quotient familial. Donc, on voit que sur l'accueil du soir, on est sur une tarification la plus minime à 2,50 € par mois. Et la plus importante à 26 € par mois et par enfant. Alors sur les emplois du temps, donc, on voit que l'emploi du temps a été raccourci, la journée donc a été raccourcie, puisqu'on sort à 15h45 au lieu de 16h30, et effectivement on a une demi-journée supplémentaire. Sur Brignoles, le choix c'était le mercredi matin. Et on a donc 5 matinées identiques qui finissent en 11h30. Donc sur les temps périscolaires, du coup, qui viennent s'articuler avec le temps scolaire, donc on a un temps périscolaire du matin, 7h30, 8h30, on a un temps méridien de 2h qui a été conservé, jusque-là il n'y a rien de changé, et donc un temps du soir qui a été rallongé, qui fait donc 15h45, 17h30. Donc là on a le mercredi où effectivement il y a eu du changement, puisque précédemment il y avait un accueil de loisirs qui a accueilli les enfants à la journée, et qui là, du coup, articule avec le temps scolaire, oui. Donc, il démarre à 11h30, il y a une garderie qui a été mise en place. Ça fait l'objet, c'est issu des concertations de printemps avec les parents. Sur les participations au centre de loisirs éducatifs donc, qui ont été créés, donc on voit qu'on a une fréquentation moyenne de 29% des enfants scolarisés, puisqu'on a 489 enfants qui participent en moyenne, et on a 1724 enfants inscrits, donc ça représente 29%. C'est plus que l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait 13% des enfants qui participaient. Aujourd'hui, on en a 29. Mais effectivement, on est loin des 100% qui sont l'objectif du ministère de l'Éducation nationale. Mais on constate que non seulement donc, on a une augmentation, mais en plus, on a une très bonne participation, puisqu'on a 88% en moyenne de fréquentation. Donc c'est quand même un bon taux de fréquentation entre les inscrits et les venus. Donc là on voit les structures de centres de loisirs éducatifs qui ont été créées. Donc on a créé 5 structures sur 8 sites géographiques. Et donc en termes d'encadrement, donc, il y avait un décret qui permettait d'atténuer le taux d'encadrement. Donc à Brignoles, on a un taux d'encadrement moyen d'un adulte pour 11 enfants. Donc on est au-delà, assez largement, du taux d'encadrement du décret national. Alors sur les contenus, donc je ne vais pas vous détailler tous les contenus, mais on va prendre quelques contenus en exemple. Donc là, par exemple, sur les domaines culturels et artistiques, on voit que par école, donc, on a un certain nombre d'activités qui ont été mises en place de septembre à décembre.
et qui sont projetés de janvier à avril, puisqu'on est sur des fonctionnements trimestriels. Donc, au hasard, hein, je vais prendre l'école Jean Giono maternelle, par exemple, puisque je vois qu'il y a la directrice du centre de loisirs éducatifs qui est présente. Bonsoir, Christelle. Donc, on a sur Jean Giono maternelle, donc, sur le domaine culturel, un éveil musical avec les enseignantes de l'école intercommunale de musique, d'art et de danse. Nous avions des ateliers qui étaient animés par la médiathèque autour du livre et du conte, et des ateliers percussion avec une association qui s'appelle Tis Merveille. Et donc, le trimestre prochain, donc, il y aura des ateliers toujours autour du livre avec la médiathèque, des ateliers d'art plastique qui seront conduits par une association qui s'appelle l'association OUPS, et puis des ateliers art du cirque avec une autre association à Quai au Canal. Donc voilà, à titre d'exemple, comment on procède sur les ateliers. Sur les ateliers sportifs, donc toujours sur la même école, donc on avait un atelier baby gym qui était conduit par un éducateur sportif, et on aura donc un animateur diplômé qui nous construira un atelier de développement motricité sur le prochain trimestre. Sur les sciences et techniques, donc pour choisir une autre école, puisque je vois qu'il y a d'autres directeurs de centres de loisirs éducatifs, donc on va prendre par exemple l'école Marie Curie, puisque Coralie est là. Donc on a des activités manuelles autour des saisons qui sont conduites par Hélène Sen. Et donc on aura aussi, évidemment, le trimestre prochain, l'intervention des ANSEM sur cette école. Au niveau de l'école de la Tour, puisque je vois Christophe est là aussi, donc on aura donc sur le domaine sciences et techniques, on a une association qui s'appelle Écosciences Provence qui intervient sur des activités autour de l'eau, et puis des activités manuelles avec des animateurs. Et donc sur le trimestre prochain, donc on aura un projet environnement, et des fabrications d'instruments, et puis des activités manuelles, toujours dans les domaines de sciences et techniques. Sur le domaine socio-éducatif, donc on a des ateliers, notamment sur les apprentissages du vivre ensemble, aussi bien sur les écoles élémentaires que sur les écoles maternelles. Alors ça se traduit différemment, avec des supports différents, mais là on est exactement sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, pour améliorer les relations entre les enfants, améliorer les relations avec les adultes, améliorer les relations et le rapport à l'école. On est sur ces ateliers-là avec des supports évidemment beaucoup plus ludiques. Et puis donc la question des études surveillées, puisque nous avons dans chacune des écoles élémentaires des études surveillées, avec une fréquentation, vous voyez, de 72 enfants au total sur les écoles Jean Jaurès 22 et Giono, et 54 enfants sur l'école de la Tour. Alors, on a réalisé donc sur le premier trimestre, suite à la mise en place, à nouveau des concertations pour essayer de voir comment ça se passait sur le terrain réellement, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qu'il fallait changer. Donc, on a rencontré évidemment les coordonnateurs et les directeurs de centres de loisirs. Donc, on a un comité technique au niveau de la ville et on a fait des concertations avec les équipes enseignantes et les parents d'élèves ont été conviés à des journées portes ouvertes pour que nous puissions avoir des échanges avec eux. Alors, sur le coût de la réforme, une petite focale sur le coût de la réforme. Donc, je ne sais pas si vous voyez le total en bas. Je crois que la diapo est le... Voilà, 74 232 euros. Donc ça, c'est le coût effectif du trimestre qui vient de se dérouler. On est un peu au-dessous de ce qu'on avait prévu, mais on est au-dessous de la fréquentation. On s'était basé sur une fréquentation de 800 enfants. Donc là, on est effectivement à 500, donc on a un delta effectivement sur les dépenses. Et donc, en ce qui concerne les recettes sur ce même trimestre, donc on voit qu'on a une participation usagée à hauteur de 32 800 euros. On a touché une partie du fonds d'amorçage sur 2013, donc de 22 000 euros. Et pour le moment, on n'a rien touché de la caisse d'allocation familiale. Et donc, le coût sur le trimestre pour la commune, il est de 19 433 euros. Et donc, on voit que sur le trimestre, on a un coût moyen par enfant de 150 euros. Ce qui nous donnerait un coût annuel pour enfant de 450 euros.
Alors, sur les analyses et les constatations issues des concertations et du comité de pilotage de mercredi dernier. Donc, on a vu en comité de pilotage que la réforme avait eu un impact très fort sur les services de la commune, avec une modification des fonctionnements sur le plan organisationnel. On a été obligé de se réorganiser. On a reporté une partie des activités de certains services, notamment sur ceux qui fonctionnaient le mercredi. On a des temps de déplacement sur les écoles qui ont été accentués. Et donc, on a des changements de planning pour un certain nombre d'agents de la commune. On a dû structurer différemment les services avec la création des 5 centres de loisirs, la création d'un poste de coordination, c'est Valérie Guéoui. La coordination des centres de loisirs, c'est Chantal, qui est là aussi, Chantal Guadon. Et la création d'un poste de coordination du projet éducatif, c'est Valérie Guéoui, qui est aussi présente ce soir. Donc, on a vu les recrutements, et on a aussi donc, les 5 directeurs qui ont été soit recrutés, soit définis en interne sur la base des diplômes et des compétences. Et on a favorisé les contributions internes de plusieurs services communaux et intercommunaux. Donc, ça nous change aussi nos modalités de fonctionnement. On est une institution plutôt habituée à fonctionner en mode vertical, et là, ça nous oblige à travailler en mode beaucoup plus transversal et partenarial. C'est une réforme qui impacte fortement aussi les métiers territoriaux. Les agents sont obligés de modifier aussi leur façon de travailler. Des nouvelles approches. Alors, pour les ATSEM, c'est des changements en termes de contenu au niveau des accueils. On leur demande d'être beaucoup plus actives sur les mises en place d'activités. Sur les intervenants de l'EHPAD et les éducateurs sportifs, on leur demande aussi de transmettre un enseignement artistique ou sportif de façon différente de celle qu'ils le faisaient d'habitude, puisque là, on est plus sur la découverte de l'activité. Et on s'interroge effectivement sur la transmission et les apports de connaissances. Et au niveau des accueils, au niveau des familles, ça nécessite aussi une approche différente avec une explication beaucoup plus sur ce qui se passe sur les temps périscolaires. Il y a une attente forte des familles par rapport à ce besoin de comprendre et d'être informé. Alors sur les remontées du terrain, on se dit que ce qu'on voit, c'est une organisation structurée par école et sécurisée. Donc ça repose essentiellement sur les directeurs de centres de loisirs éducatifs. C'est eux qui sont vraiment le lien, qui favorisent sur le terrain la mise en œuvre. On a des contenus pédagogiques sur les différents ateliers qui nous semblent être de qualité, même si on constate que ce n'est pas le cas de tous les ateliers, qui ont encore beaucoup d'améliorations à apporter. On a une augmentation de participation des enfants, même si on se dit qu'il n'y a que 30%, et qu'on a encore une marge de progression importante pour tous ceux qui ne participent pas aujourd'hui et qui ne sont pas inscrits. On constate aussi que la réforme elle est plus complexe dans les écoles maternelles, puisque ce qui revient, c'est une plus grande fatigue des enfants qui est ressentie, et aussi une perte de repères des enfants avec la multiplicité des interlocuteurs. On constate que les ateliers maternels d'une demi-heure, c'est trop court et ça bouscule beaucoup les enfants. On a des difficultés aussi sur les questions de nettoyage et d'hygiène de locaux. Sur les tarifications, les modalités d'inscription, ce qui nous remonte au niveau des parents, c'est que c'est insuffisamment adapté, en tout cas c'est pas suffisamment souple. Et puis il y a des questions de goûter qu'il faut qu'on améliore en quantité parce que c'est insuffisant, notamment sur les élémentaires. Ce qui remonte des parents, c'est qu'ils ont insuffisamment de connaissances sur ce qui est organisé, sur le contenu des ateliers, que la semaine porte ouverte qu'on a mis en place n'a pas été suffisante pour qu'ils puissent appréhender toutes ces questions, qu'il y a un besoin pour les usagers d'évaluer le dispositif et de mesurer ce dispositif nouveau, et qu'on a un besoin de communication à améliorer entre l'école et la ville, entre la ville et les parents, etc. Alors, ce qu'on a déjà réajusté au niveau de cette réforme. Donc, on a déjà réajusté le temps d'atelier en maternelle. Aujourd'hui, on est sur 40 minutes d'atelier. Donc, on a cessé de faire des ateliers d'une demi-heure. Et aujourd'hui, les enfants semblent moins bousculés. Sur le fait que les enfants aient des multiples interlocuteurs maternels, on a mis en place un adulte référent, notamment pour les petites sections. On a travaillé un petit peu sur le goûter, mais c'est pas suffisant, il faut qu'on aille encore au-delà.
et on a changé les organisations dans les écoles maternelles, notamment sur les questions de sieste en début d'après-midi, pour permettre aux enfants d'avoir un temps de repos plus important et d'être beaucoup moins bousculés. Ça, c'est déjà en place dans certaines écoles maternelles et ça se met progressivement dans toutes. Sur le modèle de Marie Curie, puisque c'est de là qu'est venue la proposition. Donc, je disais, ce qui nous reste encore à réaliser suite au comité de pilotage de mercredi dernier, et ce qu'on va faire très vite. Donc, les collations à l'écouter, on va revoir parce que ce n'est pas suffisant, j'y reviens pas. Sur la lisibilité pour les parents, on va mettre en place des outils pour que les parents soient mieux informés. Donc on va afficher les contenus dans les écoles, on va mettre en place des livres photos, puisque ça se fait déjà, du coup on va le développer. Au niveau des intervenants, on va mettre des photos pour qu'ils voient effectivement qui sont les intervenants. Sur proposition de parents, on va favoriser la rencontre entre le parent et les intervenants par la prise de rendez-vous, en fonction de la disponibilité du parent et de l'intervenant. On va mettre en place une rencontre rapidement avec les enseignants sur les études surveillées, puisque là aussi il y avait des retours sur ces organisations qui devraient être améliorées. Et puis on va prévoir des plans de formation pour améliorer les contenus pédagogiques. Donc ça c'est ce qu'on peut faire très vite. Et il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on continue de travailler, mais ça on ne peut pas le faire tout seul, il faut que vous nous aidiez en fait et qu'on travaille ensemble sur ces questions. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est de créer 4 groupes de travail thématique. Alors un groupe sur le rythme de vie de l'enfant, c'est-à-dire un groupe qui va réfléchir sur la question de la fatigue des enfants, sur la durée des ateliers, sur les repères, sur les changements de rythme qui sont induits par la réforme. Un deuxième groupe sur les contenus pédagogiques. Donc là, c'est un groupe qui va réfléchir sur le contenu des ateliers, la forme des apprentissages, la formation des intervenants, la pédagogie, la question du choix laissé à l'enfant ou aux parents, parce que c'est des choses qui reviennent. Le troisième groupe de travail, nous proposons de travailler sur l'accessibilité à tous les enfants, puisque c'est vrai qu'on a vu qu'on touche que 30%, donc comment on peut faire pour que ce projet éducatif de territoire soit accessible à tous, comment on peut favoriser la participation du plus grand nombre. Et puis, dernier groupe sur ce que nous on a appelé conseil des usagers, c'est-à-dire plutôt un groupe qui va réfléchir sur les questions de tarification, modalités d'inscription, de communication aussi en direction des usagers et sur comment être plus encore à l'écoute des usagers. Voilà, donc ces groupes-là, on va rapidement les inviter. Vous avez une table juste à la sortie avec des feuilles sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Vous avez 4 feuilles, donc une par atelier. Si vous souhaitez déjà participer à ces ateliers, je vous invite à remplir cette feuille et à vous y inscrire. Et on va très rapidement les réunir. Sur les modalités de fonctionnement, on va être sur un pilote et puis des experts et puis ensuite des personnes qui seront associées volontairement à la réflexion. On va essayer de se réunir une ou deux fois avant, entre les comités de pilotage pour que les travaux de ces groupes puissent être utiles au comité de pilotage et puissent modifier du coup et améliorer la mise en œuvre de la réforme. Voilà. J'ai terminé pour la présentation. Merci. Je vous repasse la parole. Bien, merci Béatrice. Eh bien, écoutez, la parole vous est donnée à celui ou à celle qui veut la prendre. Et nous essaierons de répondre aux questions. Oui. Bonsoir, Monsieur Dory, parent d'élève élu en maternelle Jean Giono. Alors moi j'avais 2 questions. Une sur le soutien financier, est-ce qu'il va être prolongé pour l'année prochaine? Dans le sens où est-ce que du coup ça fait une augmentation des impôts vu qu'on l'a touché cette année, est-ce qu'il sera renouvelé l'année prochaine? La deuxième question qui parle du projet éducatif, mais également un souci qu'on rencontrait déjà l'année dernière. C'est la sécurité aux abords des écoles. On a pas la police qui passe, et là, avec ce projet qui a été mis en place, du coup, est-ce qu'il vient à 15h45, est-ce qu'il vient à 17h, 17h30. Et j'avais un dernier point, où là, c'est plus pour ma curiosité personnelle. On a vu tout à l'heure dans les Ardèches qu'il y avait le choix qui avait été fait sur cette réforme. Par contre, est-ce que les 3 axes ont été travaillés dans le sens où j'avais noté allongement de la durée de l'année scolaire? Je sais que beaucoup de spécialistes en parlent. Est-ce que cet axe va être travaillé dans les années qui arrivent ou pas du tout? C'était plus pour moi et puis pour tout le monde. Merci.
peux vous répondre juste sur le... Alors, les vacances, ils essayent de... En fait, c'est une réforme à étage qui fait partie d'un... vraiment une refondation de l'école de la République. Il y a plein de, d'axes. Et la réforme des rythmes scolaires, c'est un axe. Hein? L'idée, c'était de toucher d'abord à la semaine scolaire, mais ils ont déjà un petit peu touché aux vacances. Parce que dans la concertation sur le rythme scolaire, il a été mis en évidence que le rythme, 7 semaines d'école, 2 semaines de congé, 7 semaines d'école, 2 semaines de congé, c'était un rythme nécessaire à l'enfant. Avec, sur l'organisation auparavant, un gros décalage sur le premier trimestre qui était trop long. Hein, il y avait une trop grosse partie des enseignements qui étaient programmés sur ce début d'année. On attendait trop longtemps les vacances de Toussaint qui étaient trop courtes. Donc dès cette année, vous avez vu qu'il y a 2 semaines de Toussaint. C'est la première amorce d'une révision en fait, de l'année scolaire. Mais c'est difficile de toucher aux vacances scolaires parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment économiques, qui sont difficiles à faire bouger. Et sur le financement, je cite, voilà, je vais laisser monsieur le maire. Merci. Oui, en ce qui concerne le financement, pour l'année prochaine, il est assuré. Pour les autres années, les maires se battent pour... Alors, quand je dis qu'il est assuré, c'est une promesse de M. Hérault au Congrès des maires. J'étais donc, c'est exprimé clairement. Pour les autres années, je ne vais pas m'engager. Mais l'Association des maires de France se bat avec sa tête, M. Pélissard, pour que ce soit pérennisé toutes les années. Voilà. La sécurité. La question suivante, c'est qu'en fait, on a des gros soucis au niveau de la sécurité. C'était déjà le cas l'année dernière avant cette réforme. Et là, maintenant, le fait qu'il y ait encore plus d'horaires, on n'a pas la présence de police. Et alors, du coup, comment ça va se passer? Parce que maintenant ils sont 15h45, 17h, 17h30. Déjà qu'on ne les voit pas à 8h20, on ne les voyait pas à 16h30 l'année dernière. Écoutez, là, dans le détail, je ne vais pas vous répondre maintenant. Nous allons avoir l'élément de plus à la PM. Je vais voir avec le responsable de la PM, M. Zalza, voir comment on peut s'organiser pour qu'il y ait plus de présence, parce qu'il est évident qu'avec le nombre d'écoles, le nombre de fois dans la journée et le nombre de policiers, ça ne correspond pas toujours. Ouais, je vais voir avec lui à cette question, je ne peux pas vous répondre immédiatement, mais je le ferai le plus tôt possible. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Donc, Madame Égoyan, parent délégué sur l'école des Sanciers. Un premier point qui concerne particulièrement l'école des Sanciers, on a vu dans votre diaporama que vous parliez de l'étude surveillée dans les écoles. Vous avez omis de parler des Sanciers. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Et sinon, pourquoi les élèves des Sanciers n'ont pas droit à cette école d'études surveillées? Alors, il n'y en a pas parce qu'en fait, quand on a demandé les inscriptions et qu'on a passé les inscriptions, il y a eu 0 inscription au Sanciers au niveau des enfants. Donc, du coup, on n'a pas mis en place d'études surveillées. Puisqu'en fait, on a mis en place des études surveillées après la rentrée des classes et on a diffusé à chaque enfant et donc à chaque parent une proposition d'organisation d'une étude surveillée. Et au Sanciers, nous n'avons eu aucun... voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas mis en place. Ce n'est pas une volonté de le faire. Voilà, je voulais avoir un éclaircissement. Moi, j'ai un souci dans votre... Enfin, il y en a plusieurs, mais... un souci dans votre exposition, c'est que vous parlez beaucoup des études qui ont été menées par les scientifiques. On n'entend pas beaucoup
parler des parents, des enseignants qui sont sur le terrain et qui ont peut-être aussi leur avis à donner sur ce genre de réforme. Et on n'entend pas beaucoup non plus parler, je ne sais pas s'ils sont présents ce soir, mais des associations, parce qu'il y a quand même des dommages collatéraux sur les associations. Donc dans votre exposé, vous disiez qu'il y avait plus d'inscrits au niveau des activités extrascolaires. Nous, de ce qui remonte à nos oreilles pour ce début d'année, c'est moins d'inscriptions aux activités extrascolaires. Des parents qui ont levé leurs enfants des activités extrascolaires de par la fatigue des enfants et de par l'organisation. J'ai l'exemple personnel de ma fille qui fait de la musique à l'EMAD. La professeure de musique a dû rendre des élèves, elle ne pouvait en garder que 3. Donc on a eu la chance qu'elle nous garde, mais voilà, ça fait partie des dommages collatéraux. Donc je ne sais pas si on peut avoir le point de vue également des associations. Les associations étaient invitées au comité de pilotage, mais ils n'ont pas pu venir. Là, ce soir, à la réunion publique, on n'a pas de représentant du conseil local de la vie associative. Bon, elles ont été très mobilisées ce week-end avec le Téléthon, etc. Donc je pense que peut-être c'est compliqué pour elles d'être représentées ce soir. On n'a pas, au niveau de la ville, de retour en ce sens. Alors, on n'a pas le sentiment, au niveau des associations, qu'il y a des défections au niveau des participations des usagers. Si on prend le cas de l'école de musique, qui n'est pas une association puisque c'est un service public, on a cette année 50 inscriptions de plus que l'année dernière, et on a dû, enfin la communauté de communes a dû débloquer un budget supplémentaire pour pouvoir accueillir les élèves supplémentaires inscrits. Donc si on fait, c'est pas une association, mais on a quand même 1200 élèves à l'école de musique sur le territoire intercommunal, et on n'a pas ressenti, au contraire, de défection par rapport à la réforme des rythmes scolaires. Et sur le comté de Provence, on a quand même 3 communes qui ont mis en place la réforme, puisque outre Brignoles, il y a aussi Carcès et La Selle. Et on n'a pas ressenti sur l'ensemble de ces communes-là le fait qu'il y ait moins d'inscriptions, ou en tout cas qu'il y ait une défection au niveau de l'école de musique. Au contraire, on a plus de besoins exprimés, plus de demandes. Voilà, donc après, au niveau des associations, on peut faire un point avec elles précisément pour les interroger. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais on peut très bien leur demander s'ils ont vu une différence, faire un petit questionnaire rapide ou les interroger. On peut très bien se préoccuper de ça. Oui, moi je voulais répondre sur la première partie de votre interrogation. C'était sur la participation effectivement des parents et des enseignants. Bon, il me semble que là, précisément dans les préconisations qui ont été faites par le dernier comité de pilotage, c'était pour améliorer le dispositif, c'était d'ouvrir ces ateliers participatifs. On va parler plus de l'étude, parce que... Ah, d'accord. C'est intéressant, s'il y a eu d'autres expériences, c'est intéressant d'avoir un retour. D'accord. Plus de l'étude qui a déjà été faite. Ok, d'accord. Ouais. Donc, je le laisse parler. Alors, juste par rapport à cette étude, je tiens à votre disposition la composition en fait complète de ce comité de suivi. J'ai pensé que ce n'était pas très intéressant de le lire exhaustivement, mais bien sûr, il y a des experts invités à participer à ces travaux, des pédiatres, des professeurs, des parents, etc. C'est un comité de suivi qui a été très très complet dans sa composition. Donc, si vous voulez, vous jetez un œil, il n'y a pas de souci. Et juste par rapport aussi au secteur associatif, effectivement, je pense que ce serait une bonne chose de prévoir dans l'évaluation concrètement le nombre de licences d'une année sur l'autre pour voir où on en est par rapport au projet de Brignoles, parce que ce n'est pas le même projet qui est développé dans d'autres communes. Je sais qu'à Colobrière, ils ont pris cet indicateur comme un élément d'évaluation. Au bout des 3 mois, ils ont constaté qu'ils avaient eu une augmentation massive des prises de licence. Et c'est peut-être lié à la façon dont ils ont organisé leurs relations avec le tissu associatif, etc. Ça mérite d'être analysé au titre de l'évaluation qui permet les ajustements, etc. Merci.
Bonsoir, Madame Nico, déléguée par le de Georges Ouest II et maternelle Marguerite. Voilà, moi, ça serait surtout sur le temps pour le soir. Je trouve que c'est un peu court pour récupérer les enfants, surtout quand on a deux enfants à l'autre côté. Moi, j'en ai une à Georges Ouest II et une à Marie Curie, et ça fait très court pour récupérer les enfants. Quoi. Surtout quand les parents finissent à 17h de travail à l'autre bout de Brignoles, je trouve que ça fait un peu court. Juste pour comprendre, c'est la différence du le quart d'heure de battement entre les deux écoles, c'est ça? Parce qu'en fait, les horaires de Marie Curie ont été décalés d'un quart d'heure comme les autres années pour permettre aux parents justement qui ont des enfants dans les deux écoles maternelles et élémentaires de pouvoir récupérer les enfants. Est-ce que c'est de ça dont on parle? Bah, tout à fait, parce que Marie Curie, c'est 17h15-17h30 pour récupérer les enfants, et Georges Ouest II, c'est 17h-17h30. Alors, comment on peut ajuster le temps? Moi, je me suis arrangée avec l'école Marie Curie, mais pas tous les parents. Excusez-moi. Oui. Donc, par rapport à Marie Curie, effectivement, la problématique avait été soulevée très rapidement dès la deuxième semaine du mois de septembre. Donc, les enfants peuvent être récupérés jusqu'à 17h45. À vous de corriger sur le tableau à l'extérieur, alors. Oui, alors. Parce que je ne suis pas la seule parent à le dire. D'accord. Alors, à corriger sur le tableau, ça n'a peut-être pas été fait, mais dans les faits, vous pouvez récupérer votre enfant jusqu'à 17h45. Tout à fait, je le fais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que ça, il manque bien une bonne communication entre les parents et les professeurs et les agents de la garderie du soir. Et je l'ai déjà signalé, je continuerai à le signaler tout au long de l'année s'il le faut. Vous faites bien, comme ça on va l'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Effectivement, c'est clair que... Bonsoir, moi je suis parent Madame Cureau à Marie Curie maternelle. Vous avez parlé tout à l'heure de disparité, de la qualité des activités qui pouvaient être proposées, et puis de formation en cours ou future pour les agents, enfin les différents intervenants. Moi, ma question, elle porte sur les ASEM, qui, là, je prends le cas de Marie Curie, mais qui interviennent apparemment sur toutes les écoles, qui, apparemment, à qui on demande plus que d'habitude, par rapport à leur formation notamment. Donc moi, je voulais savoir comment dans le futur vous voyez des formations ou autres pour les ASEM, concernant les ASEM, parce que voilà, forcément leur formation elle est telle et elle a ses limites, et je pense pas qu'au niveau pédagogique il y ait une formation réelle. Voilà, je sais que c'est CAP petite enfance et qu'il y a des compétences, mais qu'il y a ses limites aussi. Voilà, donc je voulais savoir comment vous l'aviez pris en compte et ce qui était prévu ou non. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la réforme, elle impactait les métiers territoriaux et qu'il y avait certains métiers qui étaient encore plus impactés que d'autres, et les ANSEM sont effectivement fortement impactés. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on est parti du postulat qu'elles avaient quand même une base de compétences. La base de compétences, c'est effectivement le CAP Petite Enfance, mais c'est aussi le binôme qu'elles forment avec l'enseignant, puisque quand même elles sont toute la journée au contact de l'enseignant, et elles travaillent toute la journée avec des enseignants. Donc elles ont quand même une base de connaissances et de compétences sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour mettre en place un certain nombre de choses en dehors de la réforme, sachant que ce qui leur est demandé aujourd'hui fait partie de leur statut, puisque nous, en tant que fonctionnaires territoriaux, comme les fonctionnaires d'État, ça fonctionne avec des statuts et on a des missions, et on n'est pas, on leur demande pas des choses qui ne sont pas dans le cadre du statut et de la mission. Cependant, ce qui est compliqué pour elles aujourd'hui, c'est la question de la prise en charge de façon autonome d'un groupe d'enfants, et aussi qu'elles aient le temps nécessaire pour préparer ces ateliers, travailler sur les contenus. Alors, pour nous, c'est effectivement à la fois un ajustement, un accompagnement sur cette base de compétences avec de la formation, mais aussi avec, on est en train de réfléchir sur la mise en place d'un lieu ressource
où elles pourraient venir, mais les animateurs aussi, et avoir à leur disposition des outils de travail, etc., de la documentation, des choses qui leur permettraient de préparer les ateliers et ce qu'elles ont à faire. On est en train de réfléchir aussi sur le plan de formation 2014, puisqu'on a des plans de formation annuels, et donc on va partir des besoins et on va construire un plan de formation et on va les accompagner sur ces plans de formation. Et après, il y a la question de l'organisation du travail. Donc là, c'est un peu compliqué, mais il faut qu'on arrive à trouver du temps et à leur dégager du temps pour ça. Alors aujourd'hui, on leur avait dégagé 45 minutes par semaine pour travailler sur la préparation des ateliers. Elles nous disent que c'est insuffisant, que de toute façon, elles n'ont pas le temps parce que du coup, c'est au sein de l'école, donc elles sont prises par plein de choses. Donc elles nous ont demandé est-ce que ces 45 minutes soient regroupées en demi-journée, et que ces demi-journées, par exemple, ça soit un mercredi après-midi par mois. Ou, voilà. Donc elles nous font des propositions même d'organisation. Donc on est en train de mettre ça en place. Voilà. On avance tout doucement, mais on a quand même une base de compétences et on est vraiment en accompagnement. Sophie Delay, qui est la responsable de service, qui est présente, peut peut-être vouloir rajouter quelque chose sur l'organisation, sur l'accompagnement, Sophie. Je vous laisse et après je donnerai la parole à... Oui, donc simplement rajouter que dans un premier temps, on les a positionnés sur des ateliers dont le contenu était, on va dire, plus simple, qui ne nécessitait pas non plus une recherche dans la préparation. Hein, puisqu'on les a positionnés essentiellement sur les activités de jeux symboliques ou de jeux de société, et l'atelier saison qui, là, effectivement, demande un peu plus. Donc là, on va monter le plan de formation 2014 en janvier, donc rencontrer chaque ATSEM pour voir quelles sont leurs difficultés personnelles et collectives, et effectivement aussi de l'accompagnement dans la préparation, notamment demain, on a tous les ATSEM qui vont participer au deuxième trimestre, qui sont réunis, qu'on accompagne avec Valérie sur la préparation du contenu des ateliers du deuxième trimestre. Donc on est vraiment à l'écoute et en collaboration avec elle. Le CNFPT, qui est l'établissement public qui mutualise les fonds de formation pour les collectivités locales, est très attentif à cette question des rythmes scolaires. Il y a eu, je crois, un colloque auquel tu as assisté pour qu'il recense bien les besoins de formation précisément liés à la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires. Donc je pense qu'il va y avoir une offre beaucoup plus riche et beaucoup plus adaptée que ce qu'elle a été, même s'il y avait un fonds, je dirais, de formation pour les ATSEM assez diversifié, déjà, de formation continue. L'optique de cette réforme, c'est quand même de faire profiter à tous les enfants de ces activités éducatives, de la coéducation, on va dire. Et là, vous nous annonciez tout à l'heure 30%, avec quand même une volonté de créer un groupe pour essayer de trouver des solutions pour toucher les 70% qui restent. Mais quid du financement? Vous disiez 450 euros par an par enfant. Si on imaginait que tous les enfants de Brignoles profitaient de ces activités, comment ça pourrait se passer? Est-ce que c'est envisageable? Contrairement à Carcès, là j'ai lu dans le bulletin de la Provence un éditorial du maire qui dit que tout se passe bien, que 98% des enfants participent, si je me souviens bien. Est-ce qu'on peut espérer arriver à un taux identique à Brignoles? Et si oui, comment ce sera financé? Mais oui, effectivement, 32%, ça paraît peu. C'est quand même une augmentation par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière, mais c'est sûr que le but à atteindre, c'est d'approcher les 100%. Mais là, c'est peut-être pas l'année prochaine, mais je pense que nous allons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour approcher, augmenter, peut-être même doubler le pourcentage qu'il y a actuellement, mais enfin, nous commençons. Quelques pistes par rapport à des choses sur lesquelles on réfléchit
aujourd'hui, on a des ressources internes et on voit qu'il faut les faire monter en compétences. On est allé chercher des collaborations externes qui étaient spécialisées sur un certain nombre de domaines. On réfléchit aujourd'hui sur comment on pourrait former des intervenants, enfin, des animateurs internes du personnel ville avec des collaborations externes un petit peu techniques et pointues. Par exemple, au niveau de l'école intercommunale de musique, d'art et de danse, je pense qu'on pourra profiter en fait, de leur expérience sur de la formation d'animateurs. Ils ont la capacité à former, par exemple, des animateurs. On a rencontré le pôle régional sur l'éducation à l'image qui est dans les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas d'équivalent dans le Var sur cette instance-là. Donc effectivement, on réfléchit à comment on pourrait travailler avec eux pour qu'ils forment des relais et qu'on puisse travailler sur... voilà. Je pense qu'il y a des possibilités pour que... Forcément, il y aura un coût supplémentaire s'il y a plus d'enfants, mais on pourra aussi atténuer le coût par enfant avec des formes différentes d'intervention de celles qu'on a aujourd'hui. Donc voilà un peu les pistes sur lesquelles on est sur le plan financier. Et le coût, de toute façon, il ne sera jamais, réduit à néant, sans quoi il n'y a pas d'action. Question qui me vient là, je ne me souviens plus du nombre de personnels engagés dans cette réforme sur le PEDT sur Brignoles. Est-ce que vous l'avez en tête? Le nombre de personnels ou de collaborations De personnes qui interviennent dans les écoles. Alors on a 43 collaborations par jour, c'est ça? Voilà, on a 43 collaborations, 43 ateliers en fait, hein, au quotidien. Donc ça veut dire 43 personnes? Ça veut dire 43 personnes. Donc 43 personnes pour 30% des enfants? 43 personnes pour 30%. Si on fait la multiplication. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un adulte pour 11 enfants. Voilà, et donc c'était ce que j'étais en train de chiffrer dans ma tête. Un adulte pour 11 enfants, combien d'enfants scolarisent à Brignoles? Combien d'adultes faudrait-il 1724. Ah, j'ai pas calculé. Donc, si je compte bien, ça fait à peu près 170 personnes. Sans doute, oui. Donc, effectivement, il y a besoin de formation, il n'y a pas de doute. De forme au calcul mental, en tout cas, c'est sûr. Le coût de 450 euros, c'est un coût global qui ne tient pas compte des recettes, hein. D'accord ? Des recettes de la CAP dans le cadre des dispositifs. Qui ne tient pas compte des subventions. Voilà. On est sur un coût brut global, hein, hors subvention, hors participation des usagers. Voilà. On est vraiment sur un coût global, brut. Donc ils vont venir effectivement atténuer. De fait, le coût, parce que là, il n'y avait pas effectivement les prestations de la CAF. Hors prestation CAF, dans le cadre de différents dispositifs, contrats en fonds jeunesse d'un côté, prestations de services ordinaires et prestations de services supplémentaires d'autre part. Non, c'est le coût réel sans qu'il y ait de recettes, en fait. D'accord ? Il faut enlever la participation des usagers, il faut enlever le fonds d'abordage, il faut enlever la CAF. Vous n'avez pas fait 19 433 divisé par le nombre d'enfants ? Non. J'ai fait 74 000 des poussières divisé par le nombre d'enfants. Et donc je trouve 150 euros par trimestre, ce qui fait 450 euros par an. Mais c'est le coût global, hors subvention et participation des usagers. Par an, bonsoir. On a beaucoup entendu des parents sur ce qui se fait en maternelle. On sait hein, qu'en maternelle, c'est un peu plus difficile comme élémentaire. Moi, j'aimerais, si tant est que ce soit possible, que certains parents lambda ou représentants de parents d'élèves puissent s'exprimer sur ce qui se passe en élémentaire, sur leur ressenti, sur le personnel ou qui leur est rapporté par d'autres parents. Est-ce qu'éventuellement il y en a parmi vous qui souhaiteraient ou qui pourraient s'exprimer? Non mais oui, mais il n'y a pas que vous, excusez-moi, on vous entend, on n'a pas de soucis, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vu ni entendu. Donc c'est Marie Le Texte, je suis représentante sur l'élémentaire Jean Genot. De manière préparatoire au comité de pilotage de la semaine dernière, j'avais rencontré le directeur du centre de loisirs pour avoir un peu une idée, puisque moi, mes filles ne y participent pas. Donc j'avais aucun retour personnel là-dessus. Et après avoir questionné ce directeur et aussi quelques parents qui participent,
Les enfants sont globalement très contents des activités qu'ils peuvent mener le soir. Ce qu'ils regrettaient, c'était de ne pas avoir le choix dans ces activités. Mais globalement, ils étaient assez heureux de tout ce qu'on pouvait leur proposer. Voilà. Et donc on notait aussi une participation bien plus importante que les années précédentes sur l'accueil de Jean Genot le soir. Voilà, c'était les seules remontées que j'avais. Évidemment, il y a des parents qui sont mécontents, mais globalement, c'était pas ça qui faisait le plus sens pour les gens que j'ai eus. Voilà. Bien, merci. Merci de cette constatation très agréable. Merci. Juste, oui. Si vous me permettez, monsieur le maire, vous vous demandiez si le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de parents, c'était une approbation de votre réforme ou pas. C'était sur le temps de nous, je le sais très bien. Voilà. Moi, je me poserais la question, est-ce que la communication vendredi soir dans les cahiers des enfants qui rentraient de l'école pour une réunion mercredi soir, mardi soir, c'était un délai suffisant pour que les parents puissent s'organiser et assister à cette réunion. Okay. Voilà, juste... Ça fait partie. Je disais, j'ai toujours dit le 2 juillet que nous essuyions les plâtres. Et là, ben oui. Ça fait beaucoup de poussière quand même, monsieur le maire. Ah, mais c'est... Écoutez, j'ai discuté avec beaucoup de maires à Paris. Il y en avait qui l'avaient mis en place, qui étaient satisfaits, d'autres non. Ils sont comme nous, des choses comme ça, vous avez raison. Donner une information le vendredi soir pour s'organiser le mardi, il faut faire autrement. Mais ça fait peut-être beaucoup de poussière, mais la prochaine fois, il y aura peut-être plus de poussière. Si chacun met un peu du sien et donne l'information au moins une semaine à l'avance. Voilà, vous avez entièrement raison. Quant à ceux qui sont pas revenus, c'est un plaisantin que je dis, ils sont certainement très satisfaits. Bon. Mais si c'était furieux, ils seraient. Je peux penser qu'ils seraient là, ce sont. Si c'était furieux. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, on reste à vous remercier et à vous dire qu'au prochain trimestre, il y aura encore une réunion pour faire le point et pour améliorer. J'espère qu'il y aura de moins en moins de personnes, ou alors de plus en plus pour me bien dire merci. Bonne soirée à tout le monde.